Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis le général Franco. À la base, les gars, si nous ont fini avec les riz, qui n'a pas ri au Cameroun? Que ce soit national ou international. À un moment donné, les gars sont entrés dans la nature. On ne sait pas ce qu'ils deviennent aujourd'hui. Et les gens se posent la question à savoir, que s'est-il vraiment passé? Où sont-ils? Ils sont devenus quoi? Regardez un peu ces images et on se prend juste après. Ok. Il faut bien serrer ta ceinture. Parce que le matin, on va dire, wow, l'enfant de petit Olé, il a fait les couches des enfants. Wow, c'est là. Et t'es ri. L'argent va sortir d'où? Laisse là-bas. Moi, je vais m'occuper de tout. C'est venu faire un enfant avec toi. C'est comme ça, on dit demain, quand tu vas dire, donne-moi l'argent de baigner. Ouais, les je t'aime déjà. Tu vas me claquer. Non, et parents. Je viens te dire, je t'aime beaucoup. Non, hé, hey, parents, ouais. Attends, je sens que parfum jusqu'à tu m'aimes. Est-ce que tu peux sentir le parfum? Je suis attirée par toi. Wow, on donne dans le. Tu es attiré par toi, tu me plais, j'aime ta façon de parler, ta façon de faire. Non, regarde, je vais te dire, je vais te dire comme tu vois là, l'amour que tu vois là, on garde d'abord bien l'argent, on te teste de tous les côtés, on voit si tu es bon, si tu peux bien te parer, si tu peux bien faire quelque chose de bon, allez, feu, on va aller. Dans le côté là, non, je sais très bien préparer. Très bien, même te faire le truc, te faire ça bien. Et comment on se lève un matin, tu dis que tu m'aimes, non? Tu t'aimes, non? Hey, tu ne comprends pas le coup de foudre, je suis attirée par ça. Bon, si on dit que j'étais draguée, si on part devant le père, on va dire que ça s'est commencé comme c'est moi qui te drague. Hé, maman. Tu es trop beau, généralement. Tu es très beau. Hein? Tu es très beau. Moi. Attends, si vous avez. Hey, attends d'abord. Comment tu me caresses comme ça? Non, non. Non, le père, laisse. Il va te dire un truc. Si encore il me relève. Cause avec mon aménageur. Non, je veux parler avec toi. Ton aménageur n'a rien à y voir dans notre relation. Moi, non, tu sais que voir. Je vais te dire un truc. Hein? Mm-hmm. À mon âge, si on ne peut pas commencer à chercher les femmes d'abord. Non. Comment tu laisses, égale? Comment tu laisses le grand si tu laisses les gens? Il ne m'intéresse pas. Il ne m'intéresse pas. C'est toi qui m'intéresse. Tu es une star. Un star avec quoi? Non, j'ai quoi? Non. N'oubliez surtout pas que le 6 mai, samedi prochain, c'est le jour J du festival RMA, Renaissance Music Award. Ce festival qui récompense les artistes et musiciens qui chantent pour l'éthique et la morale. Donc, qui chantent avec des messages, avec des beaux messages. Des musiques de sensibilisation, des musiques éducatives. Donc, rendez-vous samedi pour récompenser ces artistes. Soyez des nôtres. Moi, j'y serai. Contactez le numéro 6 pour entrer en possession de vos billets. Tu laisses le grand si tu ne m'intéresse pas. Il ne m'intéresse pas. C'est toi qui m'intéresse. Tu es dans une star. Un star avec quoi? Non, j'ai quoi? Non. On l'appelle le général Taulier. On ne sait pas ce qu'il devient. Mais avant, regardez encore celui-ci. Dans un ré, moi je marche avec Dieu. Si toi tu ne marches pas avec Dieu, moi je marche avec Dieu. Comme toi tu as dit, les hommes marchent par catégorie. Dieu lui ne choisit pas qui marche avec lui, hein. Il marche avec tout le monde. Donc, toi cherche tes gens par catégorie, moi je marche avec Dieu. Dans un récit, si tata tu n'ignores rien frère, il n'est pas encore. Donc, je n'ai pas de catégorie dans un ré. La humble cité, tu ignores la humble cité, gars, c'est ça Tata Poulet. C'est fini. On l'appelle MC Tata, un gars qui m'a fait mourir de rire. Et il a toujours de très bons conseils dans son concept. Hein. Écoutez encore ceci. Ok. Tu viens là, c'est toi qui montre que tu as les bons articles, comment tu es dans les bons lieux, comment tu es dans les bons systèmes. Non, c'est free. Mais dans un ré, ça n'aide personne, petit frère. Petit frère, tu veux devenir des influenceurs. C'est pas tout le monde qui est appelé à être influenceur. Aujourd'hui, même on ne voit plus les enfants qui vont go school parce que l'enfant laisse les cahiers, dit qu'il veut déjà être influenceur, frangin. Et dans un ré, les influenceurs, alors font quoi? Ils ont d'abord peur de parler les choses. Chacun a peur, chacun se met dans la coquille. Alors que c'est nous les artistes et nous les influenceurs qui devons amener nos petits.
Mais plutôt, nous, on est là qu'on vient derrière tourner les reins. Tourner les reins, frangin, ça n'a fait avancer personne. En vrai! Bref, si je publie les images, c'est parce que plusieurs personnes m'ont écrit pour me demander « Franco, que devient le général Toli? Que devient le jeune MC Tata ?» Donc, c'était juste pour les faire comprendre que moi-même, je ne connais pas. Donc, si quelqu'un connaît où ces gens-là se trouvent, pardon, mettez en commentaire, nous, on va aussi lire. Dites-nous où se trouvent ces deux jeunes génies-là. Vraiment, on a encore besoin d'eux. Ce sont des esprits, ce sont vraiment des génies. Oui, surtout le petit Tolier là, c'est la magie seulement alors avec lui. Où est passé petit Tolier? C'était le général Franco. Partagez-moi cette vidéo. Si tu es nouveau, abonne-toi. C'était également un petit moment de divertissement. J'espère que le petit Tolier t'a fait rire, non? Laisse un petit commentaire pour lui. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.